Ghislaine Adagra, comment va? Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir à tous. Bakoro Adja Nalima, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Ami Cissé, salut, salut à tous. Ami Dioula, c'est le nom de quelqu'un qui est là. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet passionnant dans le cadre de mon travail. Je vais vous expliquer parce que dans les 15 contrats, il y a au moins 3, il y a 3 personnes qui sont comme des éducatrices en Afrique. Donc, merci beaucoup. Oui, aujourd'hui, vous me voyez avec le petit drapeau du Québec là. Aujourd'hui, c'est férié, c'est 24 juin. 24 juin, c'est la fête du Québec. 1er juillet, c'est la fête du Canada. Vous savez, hein, le Québec, c'est une province qui aspire à son indépendance. Donc, ils ont choisi cette date du 24 là pour commémorer ça. Comme quoi, c'est le jour. Ah, Franck Activiste, si tu m'as écrit sur WhatsApp que c'est dans le cadre de l'affaire comment on appelle ça? De l'immigration, des contrats, j'en ai pas en ce moment. Donc, je me donne le temps aussi pour me reposer. Voilà. Je me donne du temps pour me reposer. Je vois que vous me posez des questions sur l'immigration en général. Malheureusement, je ne réponds plus aux messages sur l'immigration. Quand il y a un élément nouveau, je vais vous répondre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Les contrats qu'on a, comme j'ai expliqué, c'est les contrats temporaires pour les professionnels de la santé. Mais ils sont encore en négociation. Donc, ce qui explique que je n'ai pas encore fait de vidéo. Vraiment, je prends le temps pour me reposer, surtout que j'ai beaucoup de travail ces temps-ci. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la petite enfance qu'on appelle dans certains endroits nounou, qu'on appelle au Québec les éducatrices, tout et tout. Oui, nous, on travaille beaucoup là-dessus pour qu'on nous appelle des éducatrices et non des gardiennes. Parce qu'une gardienne, je vais vous donner la différence. Donc, je suis là pour vous parler de ça en général. Le temps que vous partagez, on va être au moins 200 et quelques 300, si vous voulez. Parce que c'est un sujet qui est très important. Quand on parle de l'éducation de l'enfant, quand aujourd'hui on arrive à déceler les problèmes de l'enfant, quand aujourd'hui on arrive à déceler tel enfant a un trouble de comportement, le TDAH, tout et tout, ben, c'est parce que ça prend une formation. Ben, je suis offusquée quand j'entends en 2021 qu'on me dit à des endroits. On n'a pas besoin de faire une formation pour rester avec des enfants, mais ça, c'est du gardiennage. Ah oui, je vais appeler ça du gardiennage parce que comment ça se fait si tu n'as pas besoin d'une formation, ne serait-ce que quelque chose? Et les premiers éléments, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu arrives, tu es en train de garder un enfant, comment tu arrives à déceler que cet enfant-là, il y a quelque chose qui ne va pas? Selon la formation que j'ai reçue, mais cet enfant-là, on dirait que dans le lot, il n'est pas comme les autres. Comment tu arrives si on ne t'a pas donné une formation de base? Vous comprenez? Que vous en parlez en privé. Ok, ben je vais donner des éléments déjà. Excusez-moi, j'ai dû noter quelques petites affaires parce que ça me prend quand même des choses. Comment tu fais? Ben moi aujourd'hui, là, si je devais faire des enfants, je ne vais pas confier mon enfant à quelqu'un qui n'a aucune formation. La preuve, quand des parents ils rentrent ici, quand je commence à montrer, déjà, je finis de montrer les lieux, mais ils me demandent, c'est quoi ta formation? Donc, ça veut dire qu'on s'en va sur ce volet-là. Moi, je ne peux pas donner mon enfant à une personne qui n'a reçu aucune formation, qui n'a même pas reçu la formation de base de 45 heures que le gouvernement du Québec exige. Je ne te confie pas mon enfant pantoute, là. C'est clair. Donc, partant de ce fait-là, mon domaine, je le fais, le coût, c'est trop dur. Ah, ben c'est ça, le coût, ça prend le coût, je vais vous expliquer. Ici, là, comme je le dis, pour des personnes qui n'ont pas besoin de formation pour garder des enfants, ce sont, même là encore, il y a la formation de gardienne avertie. Nos enfants de 11 ans, quand Wendy avait 11 ans, elle a fait une formation de 6 heures ou 8 heures. Ceux qui sont sur le direct, vous pouvez toujours me contredire avec le nombre d'heures ou bien des dates. Elle a fait une formation de 6 à 8 heures, toute une journée. Ça, c'est ce qu'on appelle les gardiennes averties. Ça veut dire qu'on prend des jeunes, des enfants qui vont garder à l'extérieur. Ça, nous, on les appelle des nounous, des gardiens. C'est comme dans mon quartier ici, on sait que je suis éducatrice. Donc, on sait que j'ai une fille de 14 ans. Donc, souvent,
les gens du quartier me sollicitent pour voir si ma fille peut garder leurs enfants. J'essaie de regarder si la famille est bien, que c'est des gens qui se côtoient. Je dis, bon, elle peut aller les garder chez vous à la maison. Ou encore, je demande à ce que, si c'est les week-ends, je demande à ce qu'on m'envoie les enfants et puis elle s'en occupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une nounou. On les appelle les gardiennes averties au Québec. Ce sont des enfants, des étudiants, tout et tout, qui font ça. Donc, au-delà de ce groupe d'âge, que je vais appeler des adolescents, tout et tout, qui suivent ces enfants-là, qu'on appelle les nounous, qu'on appelle les petites gardiennes, ben, tu veux t'occuper d'un enfant, la logique voudrait que tu prennes une formation. Donc, au Québec, là, il y a la formation basique, là, oui, qui est de base, qu'on appelle la formation de 45 heures petite enfance. Cette formation de 45 heures, là, quand tu l'as, tu peux travailler à domicile. Tu peux même te retrouver à travailler avec le gouvernement. Tu peux ouvrir même un centre à l'extérieur de ta maison. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, profitez pour partager le direct parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc, dans le 45 heures que tu t'en vas faire là, ben, il y a des éléments de base, comme je dis. Tu vas aller étudier dans le programme de 45 heures, tu vas aller étudier la santé et sécurité alimentaire de l'enfant qui va te faire 8 heures que tu vas faire. Ensuite, tu vas aller étudier le développement global de l'enfant qui te fait 12 heures de temps. Tu vas aller étudier le rôle de l'éducatrice, de comme on appelle la RSG, la responsable des services de garde qui te fait 7 heures. Et puis en plus, tu vas maintenant étudier tout le programme éducatif. Donc c'est tout ça là qui va te faire les 45 heures. Quand tu auras fini d'étudier tous ces 45 heures, tu vas encore aller mettre 8 heures de temps dessus. Les 8 heures, c'est pour le RCR, réanimation cardio-respiratoire. Ensuite, tu vas aller étudier les allergies sévères des enfants. Parce qu'au Québec, aujourd'hui, pour t'occuper des enfants, il faut que tu saches même comment on pique l'épipène. Ben, tu as un enfant, tu ne sais même pas qu'il fait des allergies. Ou bien tu le sais. Comment tu utilises l'épipène? Donc, ça vous prend une formation. C'est hallucinant. Quand moi, j'entends que non, pour surveiller un enfant, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Je suis désolée, au Québec, pour surveiller un enfant, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu connaisses tout ce que, ça dit tout ce qui englobe le développement global de l'enfant. Parce que si tu ne connais pas, c'est quoi? Ton rôle, c'est de quoi? Rester, donner à manger à l'enfant, nettoyer l'enfant et puis le parent vient le chercher. Nous, on a dépassé ça au Québec. Le Québec a dépassé cette phase-là où on est rendu. Vous comprenez? Je vous donne le temps de partager la vidéo parce que ça va être long. Je vais expliquer beaucoup de choses. Je vais même vous expliquer. Si tu veux ouvrir le service de garde à la maison, comment tu as le choix? Soit tu ouvres à la maison, soit tu ouvres à l'extérieur. Au Québec, tu as le choix. C'est toi qui décides où tu veux aller travailler après ta formation. Donc, le 45 heures que je vous ai donné, ça, c'est la base qui est là. Si tu ne veux pas aller à l'école, tu es quitté en Afrique, tu es venu, tu ne veux pas aller à l'école. Mais de plus en plus de parents commencent à être réticents avec le 45 heures. Parce qu'ils se disent quoi? Elle va suivre mon enfant pendant 4 ans, pendant 3 ans, c'est juste une formation de 45 heures. Donc, c'est pour ça, de plus en plus, les immigrantes qui arrivent ici, elles font même plus le 45 heures. Elles s'en vont, voilà, OK, elles s'en vont maintenant faire la formation en chose, comment on appelle ça, au cégep, éducation à l'enfance, volet technique. C'est ce que nos soeurs ici, beaucoup font. Tu vois que les immigrantes, quand elles arrivent, soit elles s'orientent du côté de la santé, ou bien elles ont tendance, celles qui aiment travailler avec les enfants. Oui, parce que aimer les enfants, aimer tes propres enfants, et puis travailler avec les enfants d'autrui, ce n'est pas la même chose. Oui, on n'a pas juste besoin d'aimer les enfants, parce que tu peux aimer les enfants, mais est-ce que tu as cette hargne-là? Est-ce que tu as cette patience-là? Est-ce que tu as ça même en toi pour travailler avec les enfants d'autrui? C'est très différent. OK, d'accord. En Irlande, le premier level, je crois que ça ne suffit pas. Bon, cinquième level, OK. Donc, vous comprenez. Donc, comme j'ai dit, de plus en plus, les immigrantes, quand elles arrivent, elles s'orientent. Mais heureusement encore, c'est pour ça que j'aime le Québec, j'aime le Canada. Ce travail n'est pas réservé aux immigrants, je vous ai dit. Ce n'est pas réservé. Je ne sais pas où vous êtes là-bas, ailleurs, si c'est un travail qui est forcément réservé aux immigrants. Mais nous, on lutte ça, les Québécois, ici. Dans mon quartier, nous sommes 5 éducatrices. Je suis la seule noire. Je suis la seule africaine. Donc, ça veut dire que... Et puis, il y a une autre en bas, là, qui est congolaise, mais elle n'est pas subventionnée. Elle a décidé d'être au privé. Donc, il ne faut pas qu'on lise ce travail-là aux immigrants. Non, non, non. C'est ton choix. C'est toi qui décides. D'ailleurs, c'est comme le domaine de la santé. On lit ça aux immigrants, mais ce n'est pas lié forcément aux immigrants. C'est que tu arrives, si tu sens que tu te sens bien dans ce domaine-là, ben, tu t'orientes là. Donc, il y a ce volet-là. Maintenant, il y a ensuite,
Moi, j'ai trouvé que quand j'étais arrivée au début au Canada, je voulais travailler dans la petite enfance, mais au départ, on n'est pas bien orienté, on est beaucoup hésitant dans la recherche des informations. L'école que j'avais vue était trop éloignée de ma maison à l'époque. Puis j'étais découragée, j'ai laissé. C'est là que je me suis orientée dans la santé, mais j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. C'est là, plus tard, je me suis renseignée. On m'a dit, non, ce programme, on le fait au cégep, on le fait en 45 heures, on le fait en tant que temps. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas faire le 45 heures, peut-être je vais faire ça au cégep. Je suis allée, je me suis inscrite au cégep. Quelqu'un m'a dit, non, tu peux le faire à l'université en certificat. Là, si tu veux, tu cumules 3 certificats dans le même domaine. Ça peut te faire un bac. Plus tard, si tu veux travailler ailleurs, tu le fais. J'ai dit, ah ben, je vais voir. Et à l'université, c'est quoi le surplus? À l'université, c'est que tu peux aller ajouter le volet des adolescents. Tu peux aller prendre d'autres certificats, tout et tout. Et puis, ça te fait le gros lot. J'ai dit, ok, ben, c'est bon. C'est comme ça que je m'oriente vers l'université. Effectivement, à l'université, vous savez, c'est l'université, hein? Il y a la paperasse, il y a beaucoup de choses qu'on ajoute, tout et tout. Et puis, tu finis ce cours-là. Est-ce que vous êtes là? Je vois qu'on dit, on me dit que vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Merci. Ok, Aoudje, merci, merci. C'est toi que j'ai vu quelques commentaires. Vous regardez. Je comprends que vous voulez m'écouter, mais il faut que vous commentez pour que je vois que vous comprenez au moins. Donc, quand tu as fini ça, tu as fini tout ça, mais pourquoi c'est important, tous ces volets-là, que tu vas aller analyser, que tu vas aller étudier, c'est important. Parce que dans le développement de l'enfant, tu n'as pas fait de formation. Donc, on va te parler de l'aspect cognitif de l'enfant. Bon, je prends un exemple dans le domaine cognitif. Je prends par exemple la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est quoi? Ça, c'est de... On parle de permanence de l'objet à partir de 1 an jusqu'à 18 mois. L'enfant doit être capable. Je lui ai montré ce téléphone-là. Même s'il ne voit plus le téléphone et que j'ai caché le téléphone, l'enfant doit être... Si tout son cognitif est en place, l'enfant doit être capable de savoir que j'avais le téléphone en main et que je ne l'ai plus. Donc, l'enfant doit être capable de chercher, de se rendre compte que oui, l'objet n'est plus sous ses yeux, mais cet objet-là existe. Donc, il faut aller à l'école pour comprendre que la permanence de l'objet, ça va avec le cognitif. Donc, quel est... Ce pays où on va dire que non, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour surveiller les enfants. Désolé, là, si vous êtes dans un pays où on vous dit on n'a pas besoin d'aller chercher où on va à l'école, ça va vous aider, ça peut vous protéger demain dans tout ce processus-là, comme je vous dis. Il y a l'aspect langagier. Tu n'es pas allé à l'école pour comprendre que cet enfant-là, rendu à partir de 18 mois, il doit être capable de prononcer un certain nombre de mots. Tu n'es pas allé à l'école. On t'a pris l'enfant, on t'a déposé l'enfant. Tu as une pile foutue ou bien une quoi. Ça dit, toi, tu regardes juste l'enfant changer ses couches. Le soir, les parents viennent, tu leur donnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Québec a dépassé ça. Je vais vous montrer pourquoi le Québec a dépassé. Donc, ce côté langagier, donc à partir de 18 mois, il faut que tu sois capable de comprendre que lui, dans le groupe-là, il ne dit pas un certain nombre de mots. Ben, il faut que j'attire l'attention des parents. Parce qu'on vit dans un monde où le monde bouge beaucoup. Souvent, les parents ne font pas attention. Et puis, quoi qu'on dise, là, ce sont les éducatrices. Oui, le parent est le premier responsable de son enfant. Il est le premier éducateur. Mais c'est l'éducatrice qui passe plus de temps avec l'enfant. Donc, il y a des choses même que, en tant qu'éducatrice, tu vas observer que les parents ne voient pas nécessairement. Mais ça te prend une formation pour pouvoir observer ce qui ne marche pas chez cet enfant-là que tu vas signaler aux parents. Exemple, si tu vois qu'au niveau du langage, ça ne décolle pas, ça coince un peu, tout et tout. Tu n'as pas dit tout de suite aux parents qu'il a un trouble de langage, tout et tout, parce que tu n'es pas un professionnel, tu ne fais pas de diagnostic. Piaget, merci beaucoup. La permanence de l'objet, c'est Piaget. Donc, vous comprenez? Donc, quand tu vas signaler tout ça aux parents, ben, c'est parce que tu es allé à l'école. C'est parce que tu as pris une formation. Vous comprenez? C'est là que nous, on est rendu au Québec, on est rendu au Canada. J'ai mis Québec parce que je sais que les programmes se rejoignent, mais pour la zone anglophone, comme je ne maîtrise pas, je vais parler de celui du Québec. Donc, quand maintenant, tu vas voir son aspect social aussi dans le groupe, comment il interagit avec les autres, c'est ça, comment il interagit. Est-ce que c'est un enfant qui est timoré dans le groupe? Est-ce que c'est un enfant qui est capable d'aller se faire sa place? C'est comme un enfant que j'ai eu à 5 mois ici. On a fait l'entrée progressive, tout et tout. Mais aujourd'hui, là, cet enfant-là, il est parmi les plus grands. Souvent, quand il veut jouer, mais Monique, il vient nous déranger. J'ai dit, ben, il doit jouer avec vous. Cet enfant-là, aujourd'hui, il a 13 mois, mais il a fait sa place. Donc, cet enfant-là, déjà, j'ai vu que sur l'aspect social, là, il est très développé. Il n'y a rien à dire sur lui. Mais tout ça, c'est des éléments que tu es allé apprendre. Et puis, on t'a appris ça. Et puis, tu as su déceler ça. Ou bien, tu as su coller ça à l'éducation de l'enfant, comme on dit. Il y a la motricité.
dans ce groupe-là, comment cet enfant-là, il arrive à la motricité fine, comment il arrive à utiliser ses mains, à attraper le crayon, à attraper tout ça. Donc, il faut aller à l'école, il faut une formation. Donc, aussi clair que ça. Donc, le Québec a analysé tout ça. Avant, on n'avait pas besoin de formation aussi. Hein? Ah oui, dans les années passées antérieures, là, le Québec n'avait pas besoin de formation. Tu te lèves un matin, tu commences à travailler avec les enfants. Mais depuis longtemps, c'est fini au Québec. 45 heures que tu veuilles travailler avec le gouvernement ou bien tu veux travailler tout seul à la maison. C'est comme ça que tu dois faire cette formation-là. Ensuite, dans ce programme aujourd'hui, comme je dis, quand tu finis l'école, ben c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Si tu veux aller travailler dans un bureau ou dans un, comment on appelle, les CPE, centre de la petite enfance, c'est nos gros bureaux qui nous gèrent. Donc, quand tu veux aller travailler là-bas, ben c'est toi qui choisis. Comme quand tu veux ouvrir un service de garde en milieu familial, comme ce que j'ai. Ou bien tu veux ouvrir à l'extérieur. Oui, tu as le choix d'aller louer à l'extérieur pour ouvrir. Tu as le choix même d'aller louer un appartement pour ouvrir là-bas, ou bien d'aller dans un centre et puis tu loues là-bas. Tout dépend de toi. Mais il y a deux volets. Il y a le volet du gouvernement et puis il y a le volet du privé. Mais en automne qui vient, toutes les garderies privées, oui, l'automne, quand je parle de l'automne, je parle d'à partir du mois de septembre, le gouvernement va déposer un projet de loi. Il n'y aura plus de garderies privées au Québec. Toutes les garderies vont passer au gouvernement. Ça veut dire que, parce que très souvent, certaines personnes ne veulent pas aller au gouvernement parce que c'est contraignant. Pour travailler avec le gouvernement au Québec, ce n'est pas du jeu. De un, quand tu as décidé, je vais travailler au gouvernement, je vais travailler à la maison. OK? Tu as regardé dans ton secteur. Il y a ce qu'on appelle la subvention que le gouvernement va te verser. Mais cette subvention-là, tu vas aller la chercher à la sueur de ton front. On ne va pas te donner ça. On ne va pas te donner ça. Tu vas aller travailler fort. J'ai fait des nuits blanches ici pour faire les exercices. Il y a la théorie, il y a la pratique, tout. Oui, hein, tu as eu le diplôme, tu as eu la formation, tout, tout, tout. Maintenant, tu veux la subvention du gouvernement. Il faut qu'on soit capable de reconnaître que tu es une personne, tu es apte à pouvoir travailler avec les enfants. Donc, on va te donner un exercice. Il y a un gros livre comme ça qu'on va te donner ça. Attends, est-ce que j'ai envoyé? Oui, j'ai envoyé. Ça, c'est tous ceux qui travaillent avec les enfants ici au Québec, accueillir la petite enfance. On va te donner un exercice ici. Ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer, comme un examen. On te donne d'ailleurs même 3 mois pour que tu puisses faire ça, pour aller chercher cette subvention-là. Si tu veux faire au privé, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as fini de faire tes 45 heures, tu ouvres seulement ta garderie à la maison, tu vas faire, tu vas être au privé, il n'y a pas de problème. Mais au privé, là, les inspecteurs vont venir peut-être t'inspecter un jour ou deux, une fois dans le temps comme ça, quand tu as eu des problèmes. Exemple, un parent a porté plainte contre toi, tout et tout. Là, tu peux avoir les inspecteurs qui viennent te tomber dessus. Sinon, à part ça, tu fais au privé, tu donnes ton montant que tu veux. Mais avant de donner le montant, il faut analyser combien les gens de ta région font. On ne peut pas dire, tu es dans une zone où on fait 20$ ou 25$, et puis toi, tu vas venir faire 40$. Donc, il y a un déphasage. Tout ça, il faut analyser ces aspects-là. Ce livre-là, quand on va te donner tout un devoir sur les enfants, l'aspect cognitif, langagier, psychomoteur, tout des exercices que tu vas faire. On te donne même 3 mois pour que tu te prépares. Avec des questionnaires, tout, 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 tout. Ah oui, 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 oui. Si je vous explique, c'est ça qui est là. On va te donner ça, on va te dire, bon, est-ce que tu as déjà ta maison? Tu vas dire oui. On va te dire, bon, il faut que d'abord à la municipalité, la mairie, il faut que tu ailles chercher un papier à la mairie là-bas. Pour t'assurer que ton logement est conforme pour recevoir les enfants. À la maison, on peut recevoir jusqu'à 9 enfants si ton cadre est bien grand. Comme chez moi ici, je peux recevoir jusqu'à 9 enfants. Sinon, normalement, on en prend 6. Parce que si vous êtes 9, il te faut une assistante. Voilà, il te faut une assistante en permanente. Il faut que vous soyez 2 éducatrices pour 9 enfants. Tu as fini ça. Quand il n'y avait pas le COVID, tu t'en vas au bureau maintenant. Quand tu as fini, tu leur expédies. Ils vont corriger tout, tout, tout. Quand ils ont fini de corriger maintenant, tu vas aller au bureau sur rendez-vous. On va te faire l'entrevue. On va te demander pourquoi tu veux travailler avec les enfants, tout et tout. Tu as fini de faire l'entrevue qui dure 1 heure et quelqu'un, au moins 20 à 30 questions. Hein? On va te demander pourquoi tu veux travailler avec les enfants. Tu vas expliquer pourquoi tu veux travailler avec les enfants, tout et tout. Et quand tu as fini d'expliquer tout ça maintenant, on te dit, OK, c'est correct. On vient visiter ta maison. Quand on vient visiter ta maison, on visite toutes les pièces de la maison. On appelle ça la visite extérieure.
et la visite intérieure. Intérieure, toutes les prises doivent être bouchées. Ta chambre à coucher, ils vont te demander, est-ce que tu penses que les enfants auront accès à ta chambre? Quand on dit les enfants, parce que c'est des enfants, quand tu rentres pour prendre quelque chose dans ta chambre, au début, tu ne comprends pas, tu les trouves trop tannants. Tu dis, mais à fait de travailler les enfants, vous allez venir quand rentrer dans ma chambre. Vers la fin, on a compris qu'ils ont raison. Parce que pendant que toi, tu es rentré dans la chambre pour prendre quelque chose, le petit que tu as laissé là, tu crois que lui, il est assis là-bas, tu le regardes, il est derrière toi. Donc, ça veut dire que même en marchant dans la maison, quand tu es en période de travail, tu dois t'assurer. Par exemple, tu as 6 enfants. Pour ne pas marcher sur un enfant, tu ne sais pas à quel moment l'autre est déjà dans tes jambes. Tout ça. Ils vont venir, ils vont tout visiter la bâtisse. Tu dois avoir l'instincteur quand l'inspecteur vient. Ça, c'est avant, hein, tu n'as pas encore ouvert. Tu dois avoir l'instincteur. Partagez la vidéo. Ah, ok. Il a dit ici aux USA. Ah oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Je suis Lydie Okema, je suis arrivée au niveau de l'inspection. Ça dit que toutes les prises doivent être bouchées. On va te demander, est-ce que ton service, tu vas juste recevoir les enfants en bas ou bien ils vont venir en haut? Moi, j'ai dit, OK, dans mes 3 premières années, parce que pour qu'ils aillent en bas, il faut que tu aménages encore tout et tout. Ils seront en bas pour toutes les activités, mais en haut, ça va être pour les dîners, pour les collations, pour tous les repas. Elle va venir vérifier tout ça. C'est une visite qui te prend au moins une heure de temps. On vient, on visite l'extérieur de ta cour. Est-ce que ta cour est conforme pour recevoir les enfants? Est-ce que les enfants ont assez d'espace? Tout ça, on va venir analyser tout ce secteur, la sécurité des enfants. Par exemple, le jour qu'elle était venue, ce climatiseur-là, le bout, là, il n'y avait pas quelque chose dessus. Elle a dit non, il faut que tu trouves quelque chose, cherche une idée pour couvrir. C'est là qu'on a mis un siromousse ici avec du scotch qui est là. Tout doit être clean, 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 clean. Si tu veux faire des travaux nouveaux, si tu as déjà ouvert, tu veux faire des travaux nouveaux, il faut que tu avises déjà par lettre. Bref, tout ça, quand tu as fini maintenant, ta santé psychique et physique, tu dois avoir le papier du médecin qui prouve que tu es apte à pouvoir travailler avec les enfants. Parce que je n'ai pas confié mon enfant à une zinzin. Tu comprends? Ok, elle dit même caca des chats risque. Exactement, tu comprends? Elle dit, nous sommes baoulés. Vous comprenez? Ah, il ne faut pas venir me déconcentrer avec les affaires là. Donc, tu comprends, ils vont venir tout, maintenant qu'ils ont fini de visiter ça, mais ils ont fini de tout visiter, tout, tout, tout. On te dit maintenant que bon, on va analyser, on va aller soumettre ton dossier au comité. Parce que dans le centre de la petite enfance, il y a un comité. C'est eux qui vont décider de tout. Ton médecin aussi, la lettre de ton médecin de famille qui prouve que tu es physiquement en forme et tu es au niveau du psychique, tu es en forme pour venir, comment on appelle ça, pour venir travailler avec les enfants. Quand ils t'ont donné le OK. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça c'est le volet pour quelqu'un qui veut aller chercher la subvention du gouvernement. Ce que je suis en train d'expliquer, normalement, ça devrait être comme ça au privé. Mais comme là-bas, il n'y a pas trop d'inspection. Donc là-bas, eux, ils arrivent souvent à se passer de ça. Mais quand tu veux la subvention du gouvernement, tu ne peux pas t'en passer. Tu es obligé de passer par là. Vous comprenez? Donc, ils sont venus, ils ont tout visité, tout, tout, tout. Ils t'ont donné, tu attends maintenant un mois. On t'a dit, bon, il faut attendre un mois. On va te donner le résultat. Un matin, on t'appelle, on te dit, bon, Monique, on t'a accordé la subvention. Mais quand on t'a accordé la subvention, là, ça veut dire que chaque 3 mois, on va venir te faire une visite qui n'est pas prévue. Et quand on vient pour la visite qui n'est pas prévue, comment ils sont venus visiter le premier jour, là? C'est pas pour dire, oh, j'ai eu la subvention, maintenant, je vais relâcher. Si tu as relâché, merci. Pour les personnes, pour Aoudje, pour les étoiles. Tu comprends? Tu ne vas pas relâcher. Parce que cette subvention, elle est renouvelable chaque 3 ans. Donc là où je suis là, quand je vous ai dit un moment, j'étais occupée, j'ai quitté les réseaux sociaux pour un moment là. C'est ma subvention, j'étais en train de faire. Dieu merci, on me l'a réaccordé encore pour 3 ans. Donc vous comprenez? Donc tu es assise là un matin, on vient maintenant pour te dire, bon, on veut vérifier le dossier des enfants. Oh que oui! Tu surveilles les enfants. Donc, on veut voir l'évolution des enfants. Est-ce que dans ton groupe, il y a un enfant qui a des problèmes que tu as décelés? Est-ce que ça va chez tout le groupe? Elle vient te visiter comme ça pour savoir si tout roule bien avec les enfants. Donc, c'est là que tu vas faire ce qu'on appelle le portrait périodique.
portrait périodique de chaque enfant. Le portrait périodique, tu fais ça deux fois par an. Ça dit, tel enfant, il est rendu au à ce stade de son développement. Cet enfant-là, il y a 3 mois, le langage était bloqué. Mais maintenant, au niveau du langage, ça commence à aller. Tu vas définir ça. Tu fais du cas par cas pour chaque enfant. Si tu as 9 enfants, tu vas faire le portrait périodique de chaque enfant. Voilà, visite inopinée, merci. Tu vas faire le portrait de chaque enfant et tu vas faire signer par les parents. Tout et tout. Ensuite, quand tu as fini de faire le portrait périodique, maintenant tu vas faire le dossier éducatif de chaque enfant que tu dois aussi faire signer. Le dossier éducatif aussi, c'est 2 fois par an. Les 15 juin et 15 décembre. Tout ça, tu fais ça. Le dossier éducatif, les inspecteurs, eux, ils ne regardent pas ce que tu as écrit, mais ils veulent voir que la signature des parents. C'est quand ils viennent te contrôler, ils vont te dire, Monique, fais-nous sortir la signature des parents. Donc, quand ils voient que les parents ont signé, ben, les parents ne peuvent pas signer quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Donc, ça veut dire que tu as bien fait ton travail. On va te noter tout et tout. Mais pendant que tu es en train de faire ça, pendant que tu es en train de faire ton menu quotidien, doit être écrit sur ton tableau. Pour chaque enfant, on doit écrire le menu que les enfants mangent par jour. Tu dois écrire. Si l'inspecteur vient ce jour-là te visiter, le menu n'est pas affiché, tu peux avoir une infraction. Ça veut dire que tu négliges le menu. Parce que les parents ne sont même pas supposés te demander, les enfants ont mangé quoi? Ben, si, y a d'autres parents qui demandent, ce n'est pas grave. Souvent quand ils te disent, si tu es fatigué, tu peux dire aux parents, ben, regardez le tableau, vous allez voir ce qu'ils ont mangé. Le menu doit répondre au guide alimentaire canadien. Guide alimentaire canadien, là, c'est là, c'est les légumes, c'est les protéines, tout et tout. Non, ça veut dire que tu peux faire sauce épinard même, avec de la viande dedans. Tu leur donnes. C'est épinard, c'est légumes. Donc, tout ça, ça répond. Mais très souvent, ils ont leur nourriture qu'ils aiment manger. Donc, il faut aller travailler pour que l'enfant puisse accepter un nouveau repas. Ça te prend, je passe 15 à 20 fois au moins pour que l'enfant puisse s'adapter à une nouvelle alimentation. Donc, tout de suite, tu lui as donné là. Tu n'as pas dit, oh, il n'aime pas. Il n'aime pas, tu as donné combien de fois. Donc, tout ça, c'est dans la formation qu'on nous apprend. Les enfants peuvent ne pas aimer un repas au début. Mais à force de présenter, tu vas pouvoir, comme on dit ça, ils vont finir par s'adapter. Maintenant, dans ce programme-là, il y a le protocole d'acétaminophène. Comment vous appelez ça? Acétaminophène, c'est quoi dans le jargon français? Ici, c'est Tylenol, Doliprane. Quand l'enfant fait de la température, ça me prend un protocole tout bien signé par les parents. Même si l'enfant fait la fièvre, si son protocole n'est pas signé, je n'ai pas le droit de lui donner. Mais pour que j'aille lui donner la dose, il faut que je connaisse le poids de l'enfant. Donc, le poids de l'enfant doit être à jour. L'enfant, tous les 6 enfants de ton service de garde, tu dois avoir leur poids qui est pris au chaque 3 mois. Peser tout. Et en fonction de son poids, tu peux lui donner sa dose. Donc, tout ça là, c'est dans la formation. Même la formation qu'on est en train de faire, tu as fait aussi hygiène, salubrité alimentaire. Comment il faut se tenir, ça dit la propriété au niveau des enfants. Parce qu'un enfant a mangé chez toi, il est rentré le soir. Si c'est un seul enfant qui ne se porte pas bien, d'accord. Mais quand ça se répète, qu'il y a la gastro, très souvent, ce n'est pas au niveau de chez nous. C'est les parents qui envoient. L'enfant a fait la gastro la veille, on ne t'avise pas, on t'envoie l'enfant. Donc, une fois en passant, d'accord. Mais s'il y a 2 fois, 3 fois des gastro qui se répètent dans ton service de garde, ben, on va aller remettre l'hygiène en cause. Donc, c'est pour ça que hygiène et salubrité alimentaire, tu dois aussi faire une formation, je crois, de 3 heures que tu vas aller chercher pour pouvoir travailler avec ces enfants-là. Ensuite, dans toujours la même formation, toujours dans ce même travail, hein, 1 an là, tu dois faire, chaque 1 an, tu dois faire le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est quoi? Bon, je suivais les enfants, tout et tout, je travaille avec les enfants, mais il y a une formation que je dois faire aussi, moi aussi, pour me faire une mise à jour. Donc, tu regardes. Est-ce que tu vas essayer de voir, comment on appelle ça, les enfants autistes ou bien la violence entre les enfants, des trucs comme ça? Là, c'est toi qui choisis. Tu choisis ton sujet que tu veux. Et puis bon, tu vas faire une formation de ça en ligne de 6 heures de temps que tu emmènes là-bas chaque année. Quand la période même est en train d'arriver là, ils vont te rappeler ça. Ils t'envoient un courriel tout de suite pour te rappeler que tu es dû pour pouvoir, comment on appelle ça? Pour pouvoir
comment on dit ça, pour pouvoir faire ta formation. Donc, vous comprenez, c'est en quelque sorte, c'est ça. Il faut qu'on comprenne que, ah non, mais ici, pour travailler avec les enfants, là, malheureusement, il faut que tu fasses une formation. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas, ben, dans tous les secteurs où tu vas arriver, ça te prend une formation. Maintenant, les enfants, tu passes la journée avec eux. Souvent, quand tu n'as pas envie de dire aux parents, ça a bien été expliqué la journée, ben, tu vas acheter un agenda. Ça, c'était pour mon premier groupe. Ça, c'est l'agenda. Ça relate la journée de l'enfant. J'aime beaucoup ça. Parce que tout est écrit, leur évolution, tout. Je donne un exemple, par exemple. Le type de jeu qu'on a fait, tout et tout. Bon, là, c'était les jeux libres, jeux extérieurs. Vous comprenez? Journée tranquille. Marche en après-midi, jeux semi-dirigés. Tout ça, tu vas écrire ça. Ah oui. Yvette de Martin, ce n'est pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Parce que tout ça, on te demande de le faire. Tu ne le fais pas, c'est correct. Maintenant, dans ton groupe, il y a un qui rentre à la maternelle. Il ne sait même pas comment on utilise la colle. Il ne sait pas comment on parle. Il ne sait pas comment... On voit que cet enfant-là, il a des troubles de langage. Mais on va aller regarder dans son dossier éducatif. On va voir c'était qui son éducatrice. Ben, tu peux te faire rencontrer. Ah oui, tu peux te faire rencontrer. On va te poser des questions. Mais tu avais cet enfant toute cette année. Cet enfant a fait 3 ans dans ton service de garde. Tu n'as jamais signalé que cet enfant-là, ça n'allait pas. Donc, ça veut dire que ton service même là, on peut venir le mettre. Ça veut dire qu'il peut venir mettre la main là-dessus. Quand ils viennent, pourquoi certaines éducatrices ne veulent pas aller au gouvernement? À cause des visites. Et puis, il y a beaucoup de papiers. Vous avez vu tout ce que je vous ai cité là? Ça, c'est des papiers que tu dois remplir. Tu dois faire tout ça. Même un module de jeu nouveau que tu as installé, tu dois lui envoyer tu dois remplir un formulaire pour dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta cour. Quand tu installes un spa, tu dois écrire pour dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, tout ça là, quand les gens, les autres éducatrices regardaient, ils disent, Joe, il y a trop de choses à demander, mais sinon, c'est quand même bien payé parce que, oui, le gouvernement te verse la subvention, mais les parents aussi te versent un montant. Donc, réunis tout ça, quand tu regardes, tu te dis, ben c'est bien. Certaines éducatrices ne veulent pas ouvrir en milieu, comme on dit ça, en milieu familial, parce qu'elles disent non, c'est contraignant, tu vas laver, comme on dit ça, tu vas faire la cuisine, tu vas laver le linge des enfants, mais tout ce que tu fais, c'est inclus. La cuisine, oui, c'est vrai, c'est une question d'organisation. Tout doit être planifié dans ce que tu fais. Vous comprenez? La cuisine aussi, si tu ne veux pas faire de cuisine, tu peux commander. Il y a des traiteurs en milieu éducatif qui c'est leur spécialité. Donc tu payes le traiteur et puis le traiteur vient, il te livre la nourriture, mais il ne te livre pas les collations des enfants, ce que vous appelez les goûters, ici nous on appelle les collations. Il ne va pas te livrer ça. Donc toi aussi, à un moment donné, bon, tu vas sortir de l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce que je vous ai cité, oui, il y a beaucoup de dépenses dedans, mais les dépenses là, la moitié quand tu fais tes impôts, tu les mets dedans. Là, tu ne paies. Parce que nous, on est considérés comme des travailleurs autonomes. Mais c'est l'avenir des enfants, c'est ça. Tout se prépare. Ce que je suis en train d'expliquer. Donc, quand tu fais tes impôts, ben, tu mets tout ça dedans. Même si tu as fait des rénovations, tout ce que tu fais, tu mets dedans une partie. En tout cas, tu mets une bonne partie. Les produits de toilette, les produits de maison, tout et tout, tu mets une partie aussi dedans. Et puis bon, comme tu es travailleur autonome, pour ne pas avoir à payer d'impôts, ben, tu fais des rues. Ouais, tu fais des rues que tu vas récupérer peut-être à ta retraite. Mais ça te fait que bon, la fin de l'année, tu ne rembourses pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, qu'on ne vienne pas dire que non, pour surveiller un enfant, on n'a pas besoin. Ça prend une formation. Ça prend vraiment une formation. Vous comprenez? Mais si tu n'as pas eu même les gardiens avertis, comme j'ai expliqué, Wendy me disait ce matin que maintenant même, ils ont comme accentué. Avant là, c'était le RCR comme ça, mais maintenant, ils font maintenant même comme ce que nous, on a appris. Et puis, les allergies sévères. Tu as dans ton groupe un enfant qui a une grosse allergie. Comment on appelle ça? Comment se tenir quand on a un enfant dans le groupe qui a une allergie au niveau de l'alimentation? Exemple, tu ne travailles même pas à la maison. Moi, j'évite. Quand je sais que dans mon groupe, par exemple, il y a un qui est allergique au beurre d'arachide. Donc, tout ce qui est beurre d'arachide, j'évite ça. Mais exemple, tu as un grand centre où dans ton groupe, il y a 2 ou 3 qui ont de l'allergie. Donc, ça veut dire que l'éducatrice, il faut qu'elle ait reçu une formation
pour savoir que celui qui a de l'allergie, là, soit on le sert le premier ou on le sert le dernier. Tu comprends? Il y a beaucoup de mécanismes qu'il faut mettre en place quand on a un enfant dans le groupe qui est allergique. Donc, il y a tout ça. Au Québec, pour travailler avec les enfants, ce n'est pas du jeu. Parce que les plaintes, là, ça peut venir à tout moment. C'est pour ça que quand tu le fais, il faut le faire de façon professionnelle. Hein? Surtout que quand tu es comme nous, comme ça, là, hein, tu es immigrante, là, fais-le proprement pour que ça dit que la personne ne te reproche rien dans le cadre de ton travail. Et puis, des gens qui viennent, des parents qui viennent te niaiser dans le cadre du travail, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Tu n'acceptes pas. La première fois, tu donnes un avertissement. La deuxième fois, tu lui dis gentiment, là, la loi permet que tu retires ton enfant quand tu veux. Parce que cette loi-là, elle permet que le parent... Merci. La loi permet que le parent, pour garder les enfants au Canada, est autorisé de mettre des lunettes noires. Ben, les lunettes, je ne sais pas c'est quoi le rapport là. La Roche Freddy, ben, si tu parles de mes lunettes, ça sont mes lunettes pharmaceutiques là. Donc je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à mes lunettes ou bien. Les lunettes n'ont rien à voir. Oui, les plaintes, comme je disais, c'est aussi facile que ça. Donc, quand tu travailles, okay, reste professionnel. Pas de familiarité avec... Ah oui, oui, c'est pas facile. C'est ça qui est là. Et quand je suis... Quand j'ai un service de garde à la maison, que je dois recevoir ma mère, je dois recevoir n'importe quel visiteur, on doit avoir ton dossier criminel d'abord avant que tu viennes dans ma maison. C'est la seule partie que je n'aime pas dans ce travail. Tu peux ne pas le faire, mais le jour qu'une inspectrice vient ou bien un inspecteur vient, quand on voit qu'il y a une personne étrangère, c'est comme moi dans ma maison, on sait que nous sommes trois. C'est inscrit dans le dossier. Et elle vient matin, dans les heures du travail, bien sûr, c'est là qu'elle vient me visiter. Elle trouve qu'il y a une personne qui est étrangère. Dans la loi de mon travail, je ne suis pas supposée recevoir de la visite dans mes périodes de travail, même si je suis en pause. Si je suis en pause, oui, je peux laisser les enfants, quand ils dorment, sortir, faire des tours là-bas. Mais si, je n'ai pas le droit de recevoir de la visite. Donc, si on vient qu'on trouve un étranger, ben, elle va me demander où sont les antécédents criminels de la personne qui loge chez toi. Voyez-vous comment c'est compliqué? Donc, c'est ça. Avant, c'est 2 semaines. Si la personne devait faire 2 à 3 semaines, maintenant, c'est avant que la personne ne vienne. Voilà. Ouais, je connais ça. J'ai une maman, Louise, j'ai une tantie à comment on appelle ça? J'ai une tantie à Saint-Cyr. Je suis allée, j'ai visité. Mais quand j'ai visité, je ne peux pas mentir, ben, ça ne m'a pas donné... Ce n'est pas la même chose parce que ici, quand on vient... Quand elle vient pour visiter, elle va te demander, est-ce que tu es déjà toute prête? Est-ce que tu as au moins un peu de minimum de jouets, d'activités qui sont installées? Tu vas lui dire oui, ok, elle vient visiter. Ben, il faut que les trucs soient classés selon les secteurs d'activité. Je donne un exemple. Si je dois mettre ce côté-là, il faut que je mette ça dans le coin lecture. Je dois écrire peut-être lecture. Ici, je vais écrire bricolage. Ici, je vais écrire, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, motricité globale, à tous les niveaux, pré-lecture, pré-écriture. Mais au départ, quand on te demande tout ça, tu dis, mais tout ça, c'est pourquoi? Mais vers la fin, tu vois l'importance. Comme dans le groupe, là, il y a un, quand il arrive, lui, le matin, exemple, j'ai fait coin musique. Lui, quand il arrive, c'est le coin musique d'abord. Il y a un, quand on le cherche, quand je demande, ben, Thomas est où? Monique, il est dans les livres. Donc, c'est que les enfants, la reconnaissance des lieux, c'est important pour les enfants. Donc, c'est pour ça que quand tu fais l'aménagement, là, eux, ils viennent regarder tout ça. Tu peux organiser aussi un coin poupon. Bon, vers la fin, on organise le coin poupon, mais les enfants, ils vont tous là. Oui, les hommes peuvent faire ce travail-là. Malheureusement, les hommes qui font, ils le font avec leur femme ou bien ils le font avec une femme parce que les femmes ne sont pas à l'aise avec confier les enfants aux comment on dit ça, aux hommes. Les femmes ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais monsieur et madame peuvent travailler. Ma collègue qui est en bas, là, elle travaille avec son mari. Ils ont 9 enfants. Voilà. À un moment même, j'avais proposé au roi. Il dit, chérie, il faut laisser ton travail. Nous devons travailler. Il dit, tu es malade. Ton travail qui est là, moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, je suis bien en temps. Donc, vous comprenez. Mariam Niki, ma regarde. S'il vous plaît, et votre expérience avec les collections et employés, quel... Ben, Aoud,
Aoudjé, ben, l'expérience avec les collègues, comme j'ai dit, avant de travailler en solo, j'ai travaillé dans choses. C'est comme tout travail là, ben, tu fais ce que tu as à faire, tu n'attends pas trop des collègues, c'est sûr. C'est comme tout travail. Voilà. Et puis bon, dans le secteur éducatif, là, chacune a sa classe. Donc, vous vous rejoignez que quand vous devez, comment on appelle ça, quand vous devez jouer avec les enfants à l'extérieur. Donc, je ne vois pas vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais en tout cas, moi, quand je travaillais dans les centres, là, on se rejoignait qu'à l'extérieur, où il s'agissait de surveiller les enfants le temps que les parents viennent les chercher. C'était ça. Donc, c'est ça, là. Ce n'est pas facile comme travail. Ce n'est pas facile. Voilà. Ah oui, la famille, c'est ça. Parce que comme je dis, la seule chose de certaines personnes dit non, c'est trop d'engagement. Oui, c'est trop d'engagement, c'est trop de responsabilité. Mais quand tu es structuré, ça prend quelqu'un qui est structuré. Ben, au départ, tu as la possibilité d'avoir jusqu'à 9 enfants pour 2 personnes. Si tu as 9 enfants, ça veut dire que vous devez être 2 en permanence. Ça veut dire que quand on dit 9 enfants pour 2 personnes, là, ça dit un d'entre vous ne doit même pas laisser l'enfant. Pour aller même acheter quelque chose, non. Tant que vous avez les 9 enfants, il faut que vous soyez 2. Voilà, ça fait 22 ans que tu fais ce métier. Ben, mes collègues ici, je suis la plus jeune dans mon travail ici, dans mon quartier. Mes collègues ici, là, des 15 ans, des 20 ans, il y a une là, elle a 30 ans, c'est maintenant, elle part à la retraite. Comprenez? Ouais, c'est le ratio qui est là. Donc, c'est ça. Pourquoi ce travail est méprisé à d'autres endroits? Est-ce que c'est la société où des gens vivent? Ok. Est-ce que c'est la société où des gens vivent? C'est cette société-là, Louise, je vois que tu es très active dans le direct. Est-ce que c'est la société où des gens vivent qui fait que ce travail est méprisé ou bien c'est quoi? C'est la question que je me pose parfois. J'ai vu un documentaire, hein, que j'ai envoyé à une amie. Qui a dit oui, le travail de nounou n'est pas considéré. Elle cherchait une maison. Et quand elle a dit au téléphone qu'elle est nounou, ah ok, là-bas, oui, maximum 4. Ok, ici c'est 6. Marie Touré, comment va? Esther Carole Nguet, ça va? Elle a dit, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas considéré? En tout cas, c'est la question que je me suis posée. C'est quand même un travail noble, là. C'est comme tout travail. Il n'y a pas un travail qui... Ah, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir... Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas patient là parce qu'il y a des jours là dans le lot. S'il y a un qui dit qu'aujourd'hui là, lui, il dit qu'il a décidé de te faire, je vais dire l'expression en griffe, te faire chier là, te taper sur les nerfs là, il va te taper sur les nerfs bien raides là. Il peut pleurer pour rien. Il a décidé aujourd'hui là, c'est le jour... Des choses, comment on appelle ça? Bon, Joanna, je ne sais pas si tu viens d'arriver là, j'ai déjà expliqué. Malheureusement, c'est avec les enfants d'autrui que tu travailles, donc ça te prend une formation. En tout cas, au Québec, ça nous prend une formation. Ça prend une formation et je trouve ça normal. Je trouve ça louable. Si tu ne prends pas de formation là, bon, c'est quoi? Tu es quoi? Tu es la petite gardienne comme Wendy. Même Wendy même prend formation. Elle fait gardienne avertie, donc elle prend formation. C'est ça. Ah oui, donc vous comprenez, ça demande de la patience. On dit de ne pas crier sur eux. Oui, de ne pas crier, mais parfois là, tu lèves le ton fermement. Voilà. Ok, c'est plutôt dû à l'ignorance, malheureusement. Oui, le développement psychomoteur de l'enfant, lorsque tu le connais très bien, c'est ça. C'est comme il y a un, par exemple, avant qu'on parte en confinement, au niveau du langage, il avait commencé à débloquer. Il avait comme 14 mois, 15 mois. Il avait commencé à dire Monique. Dès qu'on est revenu du confinement, il a tout perdu. Il ne savait plus comment m'appeler. Il était comme. Parce que lui, il est resté plus longtemps en confinement que les autres. Mais ses parents étaient inquiets. J'ai dit non, puisque le langage avait déjà décollé, ça va venir. Mais aujourd'hui, là, il n'a même pas encore 3 ans, mais il parle super bien. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, là. Ben, c'est pas facile, comme je le dis. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Marie Touré, comme tout travail, là,
Mais demandez aux infirmières, elles vont vous dire, j'ai un infirmier dans ma maison ici. Comment, il y a quel travail qui n'est pas prenant? Tous les, au travail là-bas, même là, si tu es tombé sur un patient qui ne va pas bien, ou bien un patient qui a accro à la cloche là, il va te sonner après. C'est comme tout métier, il faut aimer. Il faut aimer. Oui, souvent, la roche prédit. Souvent, je ne vais pas l'embêter. Souvent, là, quand c'est trop chaud, là, je ne vais pas l'embêter. Puis le grand me dit, qu'est-ce que tu as dit, Monique? Je lui dis, non, je n'ai rien dit. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit, Monique? C'est ce que j'ai dit, embêter, là, c'est ce que j'ai te répété. Donc, souvent, vous comprenez, c'est pas facile avec eux. Et puis, bon, au niveau de la nourriture, par exemple, oui, qu'est-ce que tu as dit, Monique? Au niveau de la nourriture, c'est comme chez nous. On aime manger peut-être le riz, on aime la tieké, mais eux, c'est les pâtes. Tu vas changer de nourriture. Tu vas faire ça. C'est comme, il faut toujours leur donner des pâtes. Bon, les pâtes, là, c'est la nourriture. Même les parents, même bien, ce soir, il y a des spaghettis au souper. Il y a des tantantant. On te donne différents noms de pâtes, là. Vers la fin, tu vois que c'est les pâtes. Donc, j'aime changer la nourriture. Mais quand je change parfois, ils connaissent. Ça dit, quand tu ne présentes pas ça sous la couleur qu'ils veulent. Je prends un exemple sur les pâtes, comme ça. Un jour, je dis, bon, aujourd'hui, je vais faire des pâtes avec du poulet, avec les pâtes blanches. Bref, beurre, crème fraîche, tant, tout, bien présenté, bien goûté, là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai déposé devant eux, il a bien reconnu que c'est les pâtes. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi ça, Monique? J'ai dit, ben, c'est des pâtes, là. Mais pourquoi c'est pas rouge? Ça, c'est le plus grand. Quand il a dit ça déjà, là, il a fait sa mine d'une façon. Les autres ont commencé à regarder, il ne disait rien. Bon, quand c'est comme ça, j'ai dit, bon, la personne qui va finir son repas, je lui donnais de très bons desserts aujourd'hui. Ah là là, aujourd'hui là, on a de bons desserts. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, mais il sent que c'est bon, mais ce n'est pas la couleur rouge. Je suis obligée de lui dire, mange. Ce n'est pas parce que ce n'est pas rouge que ce n'est pas bon, c'est très bon, goûte. Il goûte et puis il me dit, c'est très bon, Monique, mais c'est très bon, mais l'assiette n'avance pas. Très Monique, ce jour-là, j'ai traîné ce jour-là. L'assiette n'avance pas. J'ai dit, ben, il faut manger les amis. Il goûte, il mange, il fait quoi? Je n'ai rien dit. J'ai dit, ben, tu veux pas le dessert? Tu sais ce qu'il a fait? Il a poussé, il dit, Monique, si tu veux, tu me donnes le dessert, si tu veux, tu me donnes pas, mais je suis pas capable. J'ai dit, tu veux pas? Il dit, non, pas capable. Quand il a dit pas capable, là, il a poussé l'assiette. J'ai dit, tous les quatre autres ont poussé les assiettes. Ils ont dit, mange pas. Tout simplement parce que j'avais changé la couleur. Il a dit que pourquoi c'est pas rouge? Moi aussi, j'ai dit, bon, on va voir entre vous et moi là, qui est dans le métier depuis longtemps. Je n'ai rien dit, puisqu'ils n'ont même pas mangé. J'ai repris, j'ai rincé ça bien au lavabo. Le reste des pâtes, j'ai tout rincé blanc là, tout enlevé. J'ai pris la sauce tomate qui était déjà prête. J'ai bien chauffé et assaisonné bien. J'ai dit que quand j'ai déposé devant, waouh Monique, c'est trop bon. Ils ont mangé, ils ont redemandé encore. Et quand ce jour-là, tout était fini. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les enfants mangent? Donc, tu as fait travailler un peu ta tête. Quand ils ont vu, il a dit que c'était bon. Il a dit que Monique, c'est très bon. C'était les mêmes pâtes, c'est juste que j'ai changé la sauce. Donc, c'est comme ça. Ce repas que j'avais présenté, puis ils n'ont pas aimé. Si je le représente encore, je le représente. C'est-à-dire, ça prend la patience à tous les niveaux. Si tu n'es pas patient, tu ne viens pas là. Ouais, ils ont tout apprécié, ils ont tout mangé. Encore, quand c'est comme ça, encore Monique. J'ai dit, bon. C'était la squat, la sauce tomate. La sauce tomate, il y en a au frigo toujours. C'est manger de chez eux. Donc, c'est ça. Ils aiment le riz gras. Quand je fais du riz gras et du poulet, ah oui, ils sont terribles. Surtout le plus grand. S'il a donné le signal déjà, je suis foutue. Il faut vraiment aimer. Faut aimer. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est ça. Travailler au Québec avec les enfants, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Parce que le problème peut quitter partout. Tu ne peux pas les forcer à manger. Il y a une qui s'est retrouvée dans les nouvelles de soi ici l'année passée. Pourquoi? Elle a reçu une remplaçante ou bien quoi, qui a dit qu'elle forçait le poupon à manger. Donc, comme elle a forcé le poupon à manger là, c'est devenu problème. Donc, tu ne forces pas un enfant pour manger.
S'il ne veut pas manger ça, que tu peux lui donner une petite collation, tout et tout. Mais tu avises aux parents qu'il n'a pas bien mangé. Puis bon, le soir, ils vont s'arranger. Donc, c'est un travail qu'on fait. On mâche sur des œufs. Voilà. Ben, le problème avec les livres, là, c'est qu'il y en a de toutes sortes. Mais comme nous, on reçoit beaucoup de comment on appelle ça? Comment on les appelle, là? Le gouvernement. Elle dit, il est quelle heure, là-bas? Le gouvernement nous donne beaucoup de livres. Ouais. Ah, en tout cas, c'est pas, il est 15h39. C'est pas facile comme travail, comme je dis. Comme tout métier. Préposé aux bénéficiaires aussi, quand tu rentres là-bas, c'est Katanga. Aïe. Si tu en fais préposer là, il faut être prête pour faire ça. Il y a une qui est venue nouvellement, elle dit qu'elle veut faire préposer. Léon l'a découragé. Elle dit, ma chérie, elle a fait vidéo sur ça là. Léon t'est découragé, c'est Léon qui t'envoie au Canada. Là, on t'est découragé comment? Moi, je connais un frère qui habite dans le nord du Québec, là-bas, qui fait près de 100 000 dollars. Comment on appelle ça? Argent annuel, préposé. Donc, on avait chez l'argent, non? Oui. Oui, le gouvernement nous aide beaucoup. Le gouvernement aide. En tout cas, oui, 15h40. Le gouvernement aide. Moi, aujourd'hui, si je veux donner le conseil aux gens qui sont intéressés pour travailler avec les enfants à la maison, chercher la subvention. Avec subvention, tu ne souffres pas pour avoir un enfant. Moi, je ne comprends pas. Avec la subvention, tu as la... C'est-à-dire, un enfant part aujourd'hui. Si tu veux, un enfant rentre demain. Parce que c'est 8,50 $ que le parent paye par enfant. Quand tu es subventionné, le parent paye 8,50 $ par enfant par jour. Par jour ouvrable. Donc, tu ne manques pas d'enfants. Alors que quand tu es privé, tu donnes ton montant selon la zone où tu es. Ça peut être 40 $ par enfant. Ça peut être 35 $ ou bien 30 $. Bien que le gouvernement verse aux parents, mais c'est difficile pour certains parents. Pour venir, souvent pour payer tes 20 $ par jour, là, il y a problème. Alors que le gouvernement a déjà donné l'argent. Hein. Donc, pour éviter ça, tu fais pitié derrière les parents pour enfants. Alors qu'un enfant est versé. Donc, moi, le préfet, quand il a commencé, il a dit, moi, il ne fait pas ce travail-là au privé. Mais on dit, non, au gouvernement, le gouvernement te check. Ils sont toujours derrière toi. Tu sais déjà à quelle période ils viennent. Ils sont déjà venus pour la période d'été actuellement. Donc, ça veut dire qu'entre septembre, octobre, novembre, ils vont venir. Après, ils vont venir pour l'hiver. Et puis, ils vont venir maintenant, printemps, été. Donc, je m'attends à eux à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, tu as des enfants aujourd'hui. Un matin, le parent vient, il te les retire. Tu t'attends même parce que moi-même, tu en as deux. Il vient un matin, il te retire les deux enfants. On a fait ça à ma copine. Il y a des frères ivoiriens qui étaient arrivés, tout et tout. Elle les aidait, elle a pris les enfants, tout. Ils étaient même tellement mal pris qu'elle-même, c'est moi, j'ai dit, travail aussi arrivé dans un pays où on m'a dit que le travail peut être structuré. Moi, je ne fais pas Bella des frères ivoiriens ici. Tu as fait Bella pour vers la fin là. Ça va mal parce que tu seras très mal récompensé. Elle quittait sa maison. Elle partait chercher les enfants là-bas. Tellement ils étaient mal pris, ils n'avaient pas de voiture, tout et tout. Mais quand ils ont voulu retirer les enfants, ils ont retiré les deux enfants tout d'un coup un matin. Ah, ok, 35 $. Oui, la subvention sera là. Le gouvernement va subventionner toutes les garderies à partir du printemps. Le projet de loi va tomber. Fini. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'attendait même pas à un matin là. Ça dit, c'est comme aujourd'hui, il vient lui dire, je retire les enfants demain. Mais ces deux enfants, elle n'a pas pu les combler. Car finalement, elle a changé. Elle est en train de chercher maintenant la subvention. Moi, pour éviter ça là, il y a des parents même qui m'ont retiré l'enfant. Qui m'ont retiré l'enfant, ils viennent le matin. Il y a une, elle est partie. Elle est venue le matin. Oh, Monique, c'est sa dernière journée. J'ai dit, ah ouais? Elle dit oui. J'ai dit, ok, j'ai rien dit. Je suis descendue. Dès qu'elle m'a dit ça maintenant, je suis descendue à l'ordinateur. J'ai affiché la place. Le temps, elle va prendre sa voiture, elle va arriver. J'ai reçu le premier coup de fil. Parce que je suis subventionnée. Je suis venue d'un pays où on dit, il y a mon bénéfice, où je suis subventionnée. Et puis, elle me met dans la souffrance. Je dis que tout ce qui engendre la souffrance, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que je préfère choisir le côté où la loi est claire, la loi te soutient. Et puis, le contrairement à ce que les gens croient, le bureau coordonnateur, c'est-à-dire que le bureau, ils sont sévères, tout et tout. Non, ils sont là pour nous accompagner. En tout cas, moi, mon bureau, je suis là, c'est tranquille. Ils sont là pour nous accompagner. Préposer aux bénéficiaires, c'est travailler avec les malades.
Vous travaillez les malades, les personnes âgées, les gens à mobilité réduite, dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement. C'est ça qui est préposé aux bénéficiaires. Tu n'es pas infirmière, tu ne piques pas de pucus ici. Tu ne piques pas de pucus, tu ne donnes pas la médication, tout et tout. C'est ça préposé aux bénéficiaires. Qui est en train de sonner là-bas, là? Qui sonne là? Excusez-moi, hein. Quelqu'un est en train de sonner là. Ouais, donc c'est ça. C'est ça préposé aux bénéficiaires, comme je vous ai expliqué. Oui, la subvention est mieux. La subvention est mieux parce que elle te protège. Elle te protège. Et puis aujourd'hui, quand tu es subventionné, on a maintenant des avocats avec lesquels qui sont reliés à notre assurance. Parce que ça te prend une assurance responsabilité. Un enfant se blesse ici. Un enfant se fait tout maintenant. Oh non. La Roche Freddy, j'ai eu une très, très mauvaise expérience avec nous. Ça là, je ne vais pas parler de ça pour ne pas froisser la communauté, pour ne pas froisser la race, mais j'ai déjà eu l'expérience. Il y a des choses qu'on me faisait ici, on ne peut pas faire ça chez les Whitey. On ne faisait pas. Vous comprenez? C'est pour ça que j'en prends plus. Désolé là, je le dis. Je le dis, j'entends maintenant l'accent. Si c'est genou, je dis... J'ai dit, il faut attendre le prochain. Il y a une qui va venir visiter. Si elle a visité, qu'elle ne veut pas, je vais t'appeler. On a qu'à mon voisin. Je ne vais pas t'appeler. Je ne vais pas t'appeler. Il y a déjà eu l'expérience de ça. Oui, comme je disais, il y a les assurances, comment on appelle ça, responsabilité civile dans ça. Tu es avec l'enfant, tout et tout, quelque chose est arrivé. Dans notre assurance, ils peuvent te prendre des avocats. Tout ça. Voilà. Maintenant, c'est au côté où, entre nous là, j'ai expérimenté ça. Il n'y a aucun enfant dans la loi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, La Roche Freddy. Il y a la loi, quand tu fais, il y a la régie interne que tu fais. Quand tu fais dans le cadre du travail, il faut que tu aies une régie bien déterminée. Aucun enfant ne doit venir avec la nourriture. Parce que d'abord, j'ai des allergiques parmi mon groupe. Il faut que je contrôle qu'est-ce qui rentre comme nourriture. C'est comme mon frigo. Même quand je reçois des étrangers, j'essaie de bien checker toute la nourriture qui rentre. Parce qu'il y a les enfants des gens ici. Mais on est venu un matin ici avec cuisse de poulet dans ma garderie. On est venu avec ça. J'ai demandé pourquoi elle a ça. Non, elle a mangé ça hier. Comment elle ne peut pas venir à la garderie? Est-ce que ça a agi ma garderie? Vous pouvez faire ça dans la garderie des Blancs là-bas. On ne pouvait pas faire ça. Vous comprenez? J'ai dit, ben, elle ne peut pas monter avec ça. Le poulet, là, je ne sais pas à quoi on a assaisonné. Donc, l'enfant ne peut pas monter avec ça. Si elle veut en période d'hiver, l'enfant ne peut pas monter avec ça. Aïe, elle n'est pas montée avec ça. Vous comprenez? L'enfant ne doit pas venir. Le maximum qu'on doit venir me déposer l'enfant, c'est 10h45. Parce que 11h, je commence à les préparer pour le soupe, pour le dîner, tout et tout. Parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé, des enfants venaient à 11h. On m'avait envoyé des enfants à 11h. Maintenant, quand ils viennent, ils veulent pas repartir. Puis, ils ont passé plus de temps à la maison. Peut-être l'enfant pense qu'il allait rester. Donc, l'enfant commence à pleurer. Les autres ont commencé à pleurer. Donc, j'ai rectifié dans ma régie interne. Aucun enfant ne vient ici à partir de 10h45. Mais il y a une qui s'amenait à 10h. Elle s'amenait à 11h. La première fois, j'ai donné un avertissement. Deuxième fois, j'ai dit c'est de trop là. La prochaine fois, tu vas retirer l'enfant. Parce que c'était clair. Le papier que tu as là, c'est là-bas. Malheureusement, les gens d'ici respectent nos affaires quand on est dans nos business. Quand on est dans nos business, tu composes avec eux, il n'y a pas de problème. Avec eux-mêmes là, quand tu les reprends une fois, tu ne vas pas les reprendre deux fois. Quand tu commences à les reprendre deux fois, c'est qu'il y a problème. La personne même est déjà prête à partir.
Vous comprenez? Je lui ai dit. Il a dit, mais tu sais là, est-ce qu'on peut, tu peux envoyer nourriture que l'enfant a mangé dans la maison hier, le souper, tu m'envoies ça le matin à une cuisse de poulet, l'enfant, sous prétexte que l'enfant n'est pas béni, tu la laisses à la maison. Est-ce que c'est forcé pour que tu me l'envoies avec une cuisse de poulet? Donc c'est ça. Partant de cette expérience-là. Et il faut courir après pour notre argent. Le gouvernement verse l'argent. Pour que tu as donné mes 8,50$ là, c'était devenu problème. Oh, c'est à lui que le gouvernement verse l'argent. Oh, oh, il y a mon prénom. Il y a mon grano. J'ai dit que ma chérie, un matin, j'ai dit ma chérie, on a une belle cohésion, mais mon affaire d'argent là, je travaille fort pour ça. Vraiment, arrangez-vous entre vous là-bas. Un bailler, je n'ai pas vu dedans. Arrangez-vous pour que j'aie mon argent. Parce que si ça continue, quand ils me verraient dans l'obligation de suspendre le contrat. Finalement, ils ont trouvé. Elle a payé maintenant, alors que c'est le père qui était supposé payer. Hein? Donc, tout ça. J'ai une amie là, elle avait une garderie, elle a une garderie privée. Le monsieur n'a pas payé son argent du mois. Elle était à $30 par jour. Oui, un homme de notre groupe là-bas. Vous comprenez? Ici, tu ne dois pas aller au-delà de 10 heures. Nini, elle. Ngobe, tu ne peux pas aller au-delà de 10 heures. Ici, c'est maximum 10 heures. Si tu t'en vas dans 10 heures et plus, là, ça va tomber dans un supplémentaire. C'est pour ça que moi, j'ouvre, par exemple, de 7 heures à 17 heures. Il n'a pas payé son argent. Quand il a quitté comme ça. Vous voyez? Donc, il y a tout ça là. Mon cher, c'est $8,50. Si tu n'as pas payé que tu es parti, ça n'a pas trop me fait mal. Que $30 par jour. Imagine-toi, $30 par jour multiplié par 23 jours. C'est beaucoup. Donc, pour éviter tout ça, là, mon cher ami, je préfère où le gouvernement me dit, fais ça, je fais. Puis, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais reçu de contravention ici. Tu communiques avec les parents. Tu leur demandes, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore? Moi, quand ils ont commencé à venir, je ne suis pas une grande... Je leur ai dit, je ne suis pas une grande bricoleuse. Si vous attendez à ce que vos enfants rentrent avec des choses que moi-même j'ai fabriquées, puis je vous dis, j'ai fabriqué, j'ai menti. Je ne suis pas une grande bricoleuse, je ne sais pas bricoler, mais tout ce qui est du domaine de ce que l'apprentissage de l'enfant, il va apprendre avant qu'il quitte. Eh, mais il me dit ça. Donc, c'est ça, là. Ben, le gouvernement ne paye pas directement, c'est-à-dire, la part des parents. Le gouvernement paye pour les parents qui sont démunis, des parents qui sont sur le bien-être social, le gouvernement paye pour eux directement. Ils peuvent payer. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Le gouvernement paye là-bas. Le gouvernement verse les allocations aux parents. Parce qu'ils disent que le parent est le premier éducateur. Non? Donc, tout doit passer par le parent. Maintenant, souvent, pour que certains parents te donnent là. Voilà à faire. Donc, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça. On a fait combien de temps même? Vous aussi, les bonnes informations, souvent, quand on vous partage sur les bons trucs là, vous ne les partagez pas. Maintenant, là, j'ai eu deuxième téléphone. Donc, je vais vérifier maintenant, partage comme mes amis. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Travailler avec les enfants au Québec, là, il y a... Bricoler, je ne sais pas bricoler, mais tout ce qui est... Vous comprenez? Partagez le direct, mes personnes. Partagez. C'est à cause de ça, là, les clashs ne vont pas finir sur les réseaux sociaux. Par exemple, on dit que les vidéos des clashs, vous ne partagez pas. Partagez. Travailler avec les enfants au Québec... Partagez. Vidéo où on a donné l'information, quand c'est partage qui est là. C'est ça qui est là. Beaucoup d'informations, il vous est donné. Vous ne les partagez pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mon cher. Moi, je vous ai donné au... C'est à chacun de voir ce qu'il arrange. C'est le centre d'intérêt sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Bon, mon chéri est arrivé. Je vais vous laisser... Je vais aller m'occuper de lui. Je vais aller chauffer sa nourriture. Il a dormi au travail. Hey, Rachou, comment vas-tu la Suissesse? Voilà. Il a dormi au travail. Il est arrivé. Il a fait un double. Bon, quand c'est quoi? Ok. Ouais. Ici, par exemple, quand le service de garde ferme à 17 heures, si le parent fait une minute de retard, tu le taxes.
1 dollar. Une minute, 1 dollar. Donc, généralement, quand c'est la première fois, je laisse passer. Quand c'est la première fois, je laisse passer. C'est bizarre avec les parents. Il y a une, là, elle faisait ça tout le temps, elle venait en retard. Et un jour, elle est venue en retard, près de 45 minutes. J'ai framponné les 45 minutes. Propre. Le lendemain, quand elle devait être en retard, elle a appelé un parent pour venir chercher l'enfant. Donc, on pouvait appeler parent. On a tout vu. Elle a appelé un parent pour venir chercher l'enfant. Oh, je vais être en retard, il faut aller chercher l'enfant. Non, tu pouvais faire ça. Tu as laissé, il a laissé 3 fois. Maintenant, la 4e fois, quand il a frappé là. Voilà. Oui, 45, propre, j'ai mis ça. Je lui ai demandé, elle me demande est-ce que je paye maintenant ou bien je paye quand je vais payer. J'ai dit quand vous voulez. Hein, le roi, il mange quoi? Non, il ne va pas manger foutu. Il ne va pas manger foutu, j'ai dit. Ça va toujours. Qui va. Eh, il n'aime pas foutu. Il ne mange pas foutu. Il n'aime pas trop le foutu. Lui, c'est foufou. Foutu, là, il n'aime pas à cause de. Il a gardé ça dans la tête. Il dit on faisait trop, elle aime. Mais c'est foufou, il aime. Lui, hein, foufou avec placali. Voici ces 2 repas. Avec. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, Aka Modoup, merci. Ah oui, le métier, il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas rester dedans. Pardon. Il faut aimer. Bon, je vais vous laisser mes impactés. Partagez la vidéo. Les informations sont dedans, partagez. Sinon, chacun peut décider s'il reste au privé ou bien il reste au public. Moi, je préfère au public parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Et puis, il y a de la formation qu'on te donne. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui te donnent. Ils vont te donner beaucoup de choses même. Voilà. Ouais. Puis on fait beaucoup de formations aussi, tout ça. S'il se prenait soin de vous. Ciao.